Bien, bienvenue sur Thé Éternel, ce mercredi 14 mars, je rends mon rapport de combustion. Bon, mais c'est pas pour dire ça. Pars pour et avec la force de l'esprit, vous serez les témoins du pouvoir. Pars pour et avec les peuples, les 4 P du 4-1, un truc comme ça, quelque chose près. Non, je m'en fous, j'ai les 7 A, alcoologue assermenté. Actif, assisté, tout ce que tu veux, on s'en fout. Bon, je vais l'avoir, mon mai 68, 50 ans plus tard. Comme ça, c'est l'année que je vais faire 7 x 7, 49. Là, je suis à 40, 48, 6 mois, 14 jours. Ça va ? Chef d'état d'âme, en fait, c'est garagiste de l'âme. En fait, ça veut dire quoi ? Réparateur de psychiatre et de psychologue, ça veut dire réparateur de tout en fait. Moi j'ai appris dans les bagnoles, mais je suis qu'un petit prophète de garage, tu vois. Mais j'y arriverai sans pognon. Je suis le plus riche du monde, mais en esprit, et c'est ça qui vous manque. Pour vous, tout est argent, le bon Dieu est argent. Non, ça va pas ce truc. Les FMI, la grosse salope du pouvoir, là. Attends, c'est quoi, la loi sur quoi ? Elle ressemblait à Lagarde, le FMI. Tu sais, putain. C'est pas que vous avez pas d'âme, c'est qu'il y a une troisième couche au cerveau qu'on n'apprend pas à l'école. Mais c'est sur toute la planète, il faut que ce soit planétaire. Des lois votées par, pour et avec les peuples. Tu comprends ou tu comprends pas? La télé de merde, là, ce soir, il n'y avait que de la merde. Bon, comme presque tous les soirs. Ça, ça n'est qu'une partie du cerveau. Par les guerres, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par la télé, les merdias et tout ça, ils enlèvent l'esprit de famille. Et par les putains de cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. Mettons, si, par exemple, si je te dis... Bon, je vais faire 49. Si je te dis, par exemple, sur 10 potes à moi, que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont sous cacheton, filles ou hommes, c'est pareil, hein, ils sont tous niqués de la tête, c'est plus eux. Tu vois, les psychotropes. C'est pour ça, le CCHR, ça me plaît bien. Hein. Commission, je sais pas quoi, des droits de l'homme. Vous en avez pas marre d'être des sous-merdes de l'humanité. Quel esprit, il est contrôlé. C'est la pollution électromagnétique, oh là là, c'est terrible. La CIA, le KGB, là, toutes ces merdes, là, le Mossad, le Chibet, c'est de la merde. À la limite, je n'engage que moi, mais j'y crois à 100%. Toute l'électronique, toute saloperie, c'est extraterrestre. C'est pas l'homme qui a pu inventer ça. Il est trop con. Mais c'est le feuilleton V, tu vois. Mais c'est pas comme ça. Bientôt, l'aérobase elle va venir régler le problème. C'est pas Nibiru, c'est pas moi, je sais pas comme ça. Hopkins, il est mort, là, l'astrophysicien. Eh ben, c'était une tranche, là. Rencontre avec le temps, l'espace-temps. Mais moi, je fais ça tous les jours. Le rêve de ce matin, il était génial. C'était un vrai songe. En même temps, c'était mon histoire des trois trains. Tu sais, le premier train, il a vapeur. Bon, mais les mecs, ils ont pris tout le pognon, ils votent dans un grand droite. Et... Mais ils n'ont pas dit à l'époque d'après. Alors, c'est des générations. Le train d'après, il a diesel. Et pareil, ils votent dans le droit, parce qu'en bas, il y a les abîmes, tu sais, après le Prévert. C'est pas du Jacques Prévert, mais presque. Et ils n'ont pas prévenu non plus les mecs d'après. Après, c'est le train électrique, c'est le TGV, tu vois. Et pareil, toujours, ils votent dans le même endroit, et après, il y a les abîmes. Et ben ce matin, quand je dors sur le dos, on va dire, je suis au présent... Quand je dors à gauche, je suis au passé, et quand je dors à droite, je suis au futur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai passé tout mon rêve à réparer dans le passé et dans le futur pour vivre à présent. Alors vous n'allez pas me faire chier maintenant.
Je sais bien que quand quelqu'un est vraiment contre ma volonté, c'est quasiment le trou noir dans sa gueule. Bon, parce qu'il paraît qu'il y a aussi des trous blancs et puis des trous verts. Bon, ça, j'étais pas très calé là-dessus. Moi, je sais que je suis l'acteur de mon film. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la télé, ça me gonfle. Quand c'est pas les pubs, c'est des séries de merde. Tu sais, ça sert à quoi de jouer un rôle? Bon, prennent du pognon. Mais vis ton rôle de ta vie, sois toi-même, pense avec ta tête. C'est pas à la télé. Ou alors à Téléternel. Voilà. Envoyé spatial pour Téternel, Pache Salut, Inch'Allah Menirain, tout ira bien dans l'espace-temps, enfin. Sauf pour la Syrie, toujours, réponds pas. Qu'est-ce que vous êtes con, putain. Moi, je suis chef des armées pour désarmer les armées. Histoire. Tiens, il y avait aux USA aujourd'hui, la marche pour les armes, pour désarmer. Là-bas, c'est carrément. Tout le monde est presque obligé d'avoir un flingue, comme ça, s'il veut buter tout le monde, il le fait. Bon, faut dire que les Ricains, ils sont assez dégénérés mentaux, quand même. Pas tous, hein. Bon, c'est comme les Français. Fait, vous êtes des protocoles. Vous n'avez pas d'âme propre. C'est normal, on n'apprend rien à l'école, mais il n'y a pas d'âme dans vos programmes. Putain, le Donald, je le mettrais bien sur un ring avec le Macron, un coup de gotte ceinture et d'extincteur, et qu'ils s'enculent entre eux, mais qu'ils nous fassent pas chier avec le Poutine et la Merkel. Elle a reprêté serment. Elle avait qu'à prêter serre vraie, non? C'est quoi cette merde que vous faites sur Terre? Pourquoi du paradis vous faites un enfer pour du pognon? C'est ça le diable. Mais ne se mettez pas à la tentation. Moi, il n'y a pas de danger que je sois soumis. Hein. Grand luxe aujourd'hui. J'ai acheté une paire de baskets à 6,99 € à Carrouf. Allez à la case 33. Tu vois pas comme ça devient un monde de merde. Et vous en êtes tous collabos. Alors, pour conclure la finition, c'est on est tous responsables du devenir de l'ensemble. Alors, le rêve de ce matin, c'était que ben justement, j'étais un revenant. Et c'est vrai qu'on est tous des revenants. À vitesse lumière, on est déjà tous morts. 2000 ans sur Terre, c'est quoi en lumière? Pas 10 minutes. Ça, rien, moi, je saurais pas dire, faut calculer. Bon, et ben ça veut dire quoi? Le temps d'un battement de paupières, pas, il s'est passé déjà 100 ans. À lumière, on est déjà tous morts. Tous. C'est comme l'armée des 12 singes, ou je sais pas. Matrix, les réplicants, les Blade Runner, là. Je sais pas. La mouche dans le télépode. Faut quand même pas être que con. Par exemple, moi, si je croise Donald ou Macron, je suis obligé d'y mettre un coup de boule. Parce que c'est une ordure. Bien sûr, il fait le violent. Pas, il va faire 120 kilos de barbac, ce gros fils de pute, là. Et le Poutine, non? Bientôt, il n'y en aura plus, les poissons. La Poutine, c'est. C'est pas un peu niçois, mais c'est un peu provençal. C'est de la petite friture. Et l'autre, qu'est-ce qu'il veut, le gros porc, là? Comme l'héritage à Johnny, non mais attends. Comme le foot, rien à foutre du foot, j'en ai marre. C'est de la merde. Pourquoi vous vendez vos âmes comme ça? Putain, un bon riche, c'est bien quand il est mort, vous comprenez pas? Merde, dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas, mais vous n'avez pas d'esprit. Et merde. Oh, je crie pas, je dis pas de gros mots. Bon, si je dis fils de pute, bande d'enculés du pouvoir, mais c'est normal. Oh, le diplomate russe, tu comprends. Eh oh, morceau de télé de merde. Pourquoi vous êtes tous des. Pas des tarlouses, mais. Oh, les dents Colgate. Ah, la télé, ils ont tous les dents Colgate. Dans tous les films, ils ont tous les dents Colgate. Quand t'as pas de dents, c'est que t'as pas de sous. T'apprends miséricordieux. On est bien plus nombreux qu'eux. Putain, il y a
Il y a une poignée de connards qui dirigent le monde avec leur pognon de merde de fils de pute, là. Bon, je dis plus rien. Envoyé spatial, porte éternelle, ça suffira.